Racontez-moi votre histoire. Sur Radio CHU. Racontez-moi votre histoire. L'émission où les enfants interviewent les plus grands. Racontez-moi votre histoire. Bonjour mes petits amis, bienvenue sur Radio CHU dans votre émission Racontez-moi votre histoire. C'est une émission qui se passe dans l'hôpital des enfants, avec des enfants, qui deviennent des journalistes et qui interviewent, qui posent des questions à un ou une invitée. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir trois super journalistes. Nous avons une jeune fille qui s'appelle Anouk. Bonjour Anouk. Bonjour. Je suis ravie que tu sois là. Moi aussi. Et nous avons un jeune homme qui s'appelle Valkani. Bonjour Valkani. Bonjour. T'as un sourire superbe. Et nous avons un petit jeune homme malicieux qui s'appelle Ryan. Bonjour Ryan. Tu es content? Oui. Oui. Et nous avons une invitée qui s'appelle Nathalie. Bonjour. Bonjour. Alors tu nous dis en un ou deux petits mots ce que tu fais et après les enfants vont te poser des questions. D'accord. Alors moi, je suis venue parler de ce qui m'anime dans la vie. C'est un domaine artistique. Voilà, en fait, je crée des choses à partir de matières recyclées. C'est parfait. Qui veut poser la première question? Moi, j'aurais une petite question. Vous aurez commencé à faire ça pour le plaisir ou c'est vraiment parce que quelqu'un de votre entourage vous a plutôt guidé dans ce... Oui, alors pas du tout. En fait, j'ai commencé toute seule et j'ai évolué toute seule dans ce milieu-là. Et c'est qu'à l'âge adulte bien avancé que j'ai découvert qu'il y avait d'autres personnes qui faisaient comme moi, en fait. Tu as commencé quand à dessiner? Alors, à quel âge? Alors, le dessin, depuis toute petite. En fait, j'ai dû commencer vers l'âge de 5-6 ans et j'ai tout le temps continué et je dessine tout le temps depuis. Pratiquement chaque jour, je dessine. Tu dessines quoi? Alors, je dessine quoi? Alors, en fait, ça dépend des périodes. Il y a des périodes où je suis plus attachée à dessiner des personnages avec des, on va dire, des portraits. Et il y a d'autres périodes, comme en ce moment, c'est tout ce qui touche aux animaux. Des portraits crachés? Des portraits crachés. Alors, oui, des portraits. Oui, il y a des portraits, oui, tout à fait. Mais pas de portraits, je ne vais pas essayer de reproduire une photo pour faire le portrait de quelqu'un. Je vais plutôt inventer le visage pareil. D'une personne. Pas pareil, c'est-à-dire? Voilà, c'est différent. Voilà, je ne vais pas faire d'après une photo, je ne vais pas faire exactement la même chose. Je vais interpréter. C'est-à-dire que tu vas mettre des trucs sans lui? Oui, je vais lui rajouter des rides, mettons. Ou un sourire malicieux. quel est votre... comment dire? Avec quoi vous dessinez plus généralement votre technique? Alors, oui. Alors, en fait, j'ai différentes techniques. J'aime beaucoup les crayons de couleur qui sont un petit peu gras. Voilà, parce qu'ils se travaillent très facilement. On peut les gommer aussi. Quand je rate quelque chose, c'est plus facile. Voilà. Et sinon, après, la peinture, c'est de l'acrylique. Ah, d'accord. Voilà. J'ai quelque chose à dire. C'est quoi la peinture derrière? Alors, la peinture derrière, ce n'est pas moi qui l'ai faite, mais elle est superbe. Moi, je pense que c'est de l'acrylique avec, ou de la gouache. En tout cas, c'est de la peinture à l'eau. Et je pense que ce comme sont des enfants. Comme les pinceaux à l'eau? Oui. Qui se fait à l'eau? Oui, il y a des pinceaux, puis il y a des petits pochoirs là aussi. Sinon, on a des autres qui peuvent... Je mets un truc comme ça, je fais ça, je crame la feuille, j'étale bien. Ah oui, là, tu fais oui, hop. Oui. Ouais, c'est sous forme d'empreinte, en fait, ou comme des tampons, c'est ça? Ouais. Oui, voilà. Quand tu étais adolescent, tu aimais faire quoi? Alors, toujours dans le domaine artistique, quand j'étais adolescente, j'étais très engagée dans la photographie. En fait, j'ai mes parents qui m'ont offert mon premier appareil photo. Je devais avoir 13 ou 14 ans. Et voilà, et je m'entraînais beaucoup à faire de la photographie. Avant, tu faisais quoi à l'époque? Avant quoi? Comme
À quel âge tu veux dire? À 7 ans, tu faisais quoi? À 7 ans à 7 ans, j'allais à l'école. Est-ce que tu dessinais en classe? Non, j'avais pas le droit. Mais Quand tu finissais, tu dessinais quoi? Toujours. En fait, je gribouillais avec mes stylos Bic. Je gribouillais dans les marges de mes cahiers d'école. Et alors, ça représentait rien, en fait. C'était juste des petits dessins comme ça, et puis un petit dessin en emmène un autre, et en emmène un autre, tu vois. Comme moi, en fait. Ah, mais peut-être, tu me montreras. Moi, je fais comme ça, après comme ça. Et plus tard, quand tu étais comme au collège, tu dessinais aussi, mais pas forcément sur du papier, genre des petits dessins sur les mains, si tu n'avais pas ton matériel sous toi. Non, alors sur la peau, non, ça m'est jamais arrivé, mais autrement, oui, toujours sur des cahiers. J'avais souvent, pendant très longtemps, en fait, j'ai eu un petit carnet, toujours dans mon sac, que je crayonnais, voilà, tout le temps, dans le bus. Comment tu faisais avant, peut-être à 11 ans, comment tu faisais pour faire des trucs? Pour dessiner? Ou autre chose? Ou autre chose? Pour faire d'autres activités, tu veux dire? De la peinture? Oui. Alors, en fait, j'avais personne autour de moi qui peignait ni qui dessinait. J'étais la seule de ma famille à aimer cette activité artistique. T'avais pas de sœur? Ouais. Non, j'avais pas de sœur, j'étais fille unique. J'avais pas de frère, j'avais pas de sœur. Mais surtout, même dans mes oncles et tantes, personne dessinait, quoi. Donc, ce que je faisais, c'est que j'allais à la bibliothèque et je prenais des ouvrages, comme des livres. Des livres, voilà. Et là, tu regardais. Oui, après, des livres qui donnaient. Après, tu dessinais, voilà. Mais tu rajoutais des taches grises, comme un tigre en terre blanche. Oui, 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 tout à fait. C'est exactement ça. Comme un feuillet rose. Oui, j'essayais toutes les couleurs. C'est quoi le théâtre drôle de scène? Alors, le théâtre drôle de scène, c'est un théâtre que l'on a créé, mon mari et moi. C'est un théâtre associatif, on est tous bénévoles dans ce théâtre. Et on fait venir des artistes humoristes qui viennent jouer leur spectacle chez nous. Voilà, et pendant les vacances scolaires, à chaque vacances scolaires, on fait aussi venir une compagnie qui crée des spectacles pour les enfants. Voilà, et on reçoit du public qui viennent voir ces spectacles. Tu fais des ateliers de quoi? Alors, je fais des ateliers avec des enfants où je leur fais créer des objets avec des matières récupérées. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que ça peut donner. Alors, Nathalie va nous montrer une de ses œuvres. Vous savez ce que c'est? Non. On appelle ça un attrape-rêve. Hein? C'est une décoration, en fait. J'ai quelque chose à dire. Comment tu faisais pour ça? Alors, en fait, ça, je prends un petit... le modèle, c'est toujours un petit peu le même modèle. C'est toujours un cercle. Et puis, on y suspend des perles et des plumes dessus. Alors, et comment tu faisais pour attraper les plumes? Alors, les plumes, justement. Alors, l'idée, voilà. L'idée principale de mon activité, c'est de ne pas acheter du matériel pour faire quelque chose. C'est-à-dire, je dis que dans la maison ou dans la rue, dans le jardin, on a toujours plein de choses que l'on peut utiliser. Alors, il se trouve que j'ai été au zoo de la Palmyre, à côté de Royan. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé, non? Non. Et il y a beaucoup de flamants roses. Voilà, et dans l'allée, il y avait beaucoup de plumes, donc j'ai ramassé les plumes que j'ai gardées à un moment, et puis en attendant que me vienne l'idée de savoir que faire avec. Et voilà. Et comment tu as fait pour faire bouger le fer blanc et gris? Alors après, tu tisses à l'intérieur avec de la ficelle. Et ça vous fait penser à quoi, ce tissage-là dans le cercle? Une étoile. Ça me fait plus penser à une fleur. Ah! Toile d'araignée, peut-être. Toile d'araignée. Ah, c'est ça. Voilà. Les perles, elles m'ont été données par quelqu'un qui s'en servait plus. Oui, tout à fait. Et les petites boules grises, ça, ce sont des graines
Donc ça, on peut trouver le grain de quoi nature. Hein, j'ai trouvé ça dans les bois. Je ne sais pas de quoi c'est. Et ça, c'est que des petits bouts de ruban qui ont été récupérés, en fait. Parce que trop court, ils pouvaient servir à rien. Et ben, moi, comment ça m'allait très bien comme longueur. Comment tu as eu l'idée d'arrêter de faire du dessin après ça? Ah, j'ai pas arrêté de faire du dessin. Je fais toujours du dessin. Mais ça, c'est en plus, en fait. Je crois qu'Anouk fait de très beaux dessins aussi. Oui, alors effectivement, j'ai elle est arrivée dessins, vraiment en nous montrant ses dessins. Vraiment. C'est superbe. Oh, tout est défait. C'est très, très bien. Ben, moi aussi, j'ai commencé à mon plus jeune âge à dessiner parce que je n'avais pas vraiment d'amis à l'école. Personne ne voulait vraiment me parler. Du coup, ben, je passe mon temps à dessiner, à danser et à chanter. Et puis, j'ai commencé à attirer des personnes dans mon école primaire. Et du coup... Ben, ça me suit toujours, il y a toujours des gens qui viennent et qui me demandent des dessins. C'est magnifique. Et maintenant tout le monde, on dirait tout tes cahiers amis avec toi. Les proportions sont impeccables. Je sais. C'est vraiment très joli. Oui, j'avais piqué un livre à ma sœur pour des proportions et puis après j'ai commencé à faire toute seule. C'est ça. Alors, sinon, il y a aussi sur Internet, sur YouTube, il y a énormément de tutos pour apprendre à dessiner ou même maîtriser l'aquarelle. L'aquarelle, moi, j'ai déjà appris, hein, ça se marche avec de l'eau. Hein. Oui, c'est ça, avec de l'eau. À partir de quel âge on pouvait venir faire des ateliers? Oui. Alors, en général, je dis à partir de 6 ans. Pour pouvoir commencer à bien maîtriser, parce qu'on va se servir de ciseaux, un peu de colle, voilà. Donc à partir de 6 ans, c'est bien pour faire quelque chose de vraiment concret et sympa. Moi, mon petit frère, il utilise des ciseaux, mais il joue avec. Ah oui, alors... Il y a 5 ans. Il faut faire attention. Hein. Ça change complètement. J'ai mal au dos. Dessert. Je vous montre quelque chose d'autre. Voilà. Oh. Qu'est-ce que c'est? Alors, ça, c'est une marionnette. Ah, je connais, j'en ai déjà vu chez orthophoniste. Ah oui. Il y en a. Attends. Comme ça, voilà. Avec les pieds. Alors en fait, c'est une marionnette qui est faite exclusivement avec du recyclage. Donc Boucher, voilà, on peut la faire fonctionner. Attends. Voilà. Lentement. Alors, qu'est-ce que vous reconnaissez comme matériau recyclé? Il y a t'as mis des poches de poubelle, t'as collé avec du scotch, t'as utilisé des filles, t'as utilisé des bouchons pour faire les filles, t'as utilisé des coussins, t'as arraché les coussins, t'as utilisé des boutons, et t'as utilisé du bois. Et ben voilà. Et tu suis à tout. Après, tu bouges comme ça. Voilà. En fait, voilà. Alors, je n'ai rien acheté pour faire cette marionnette. C'est vous qui avez tressé là? Oui. Alors, c'est avec de la laine et un petit... ça s'appelle du tricotin. Ah, ben voilà. C'est un petit tricotin. Voilà. J'arrive. Voilà. Ça, tu vois, sans acheter de matériel, on peut aussi fabriquer des jouets ou autre chose, ou des outils de décoration. Voilà. T'as construit des jouets, ça veut dire? Pardon? Est-ce que tu as construit des jeux? Alors oui, on a construit... Pourquoi? Alors mes fils et moi, on a créé un jeu de société. Voilà, avec des règles et puis un tapis de jeu, voilà. On essaie toujours de créer, en fait. Pourquoi t'es passé au cyclage? Ben, je sais pas, c'est venu comme ça. Peut-être parce que quand j'étais enfant, on n'avait pas l'habitude d'acheter beaucoup de choses. Et alors on faisait toujours avec ce que l'on avait à la maison. Ah oui, comme nos parents ne veulent pas nous laisser acheter. Ah. Qu'est-ce que tu voulais dire? Ça veut dire que tes enfants vont devenir comme toi. Ah, peut-être. S'ils continuent à construire. Oui, peut-être. Peut-être. Ils vont peut-être penser qu'on peut faire des choses. Alors, il y en a un. Alors, sur les trois, il y en a un qui s'est dessiné. Il y en a un qui joue de la guitare. Et le troisième, non, pas de choses artistiques particulières. Alors là, j'ai porté des petites, j'appelle ça des petites mounaques, c'est des petites poupées en fait. Alors celle-ci, elle est faite notamment avec une manche de pull pour la robe et le bonnet.
C'est lequel son côté? Oui. Et là, j'ai pas... elle n'est pas finie celle-ci en fait, elle est en cours. Donc je l'ai amenée aussi pour vous montrer un petit peu l'évolution. Voilà, elle n'a pas encore son visage de fête. Voilà. Et la petite robe, elle est faite comment? Avec un petit bout de tissu, tu vois, et puis de l'élastique, tout simplement. Combien de temps tu fais pour faire une poupée? Je dois mettre, je pense, 3 heures, quelque chose comme ça. 3 heures? Oui. Mais je ne fais pas d'affilée, quoi. Un jour, je fais... Tu fais des pauses? Oui, voilà. Un jour, je fais le corps et puis après, je... Dans les ateliers. Vous faites ces poupées dans les ateliers? Oui, tout à fait. Avec des enfants. Alors, plutôt avec des adolescents, parce qu'il faut maîtriser un petit peu la machine à coudre, mais autrement... J'y recoudre. Et les ateliers, ils durent combien de temps? Une fois, j'ai recoudre le t-shirt de ma mère. Une heure et demie, la journée, chaque jour? Oui, une heure et demie, le mercredi après-midi ou le samedi après-midi. Ah ouais. Voilà. Donc, du coup, il faut à peu près 2 ateliers pour faire une petite poupée comme ça. Eh bien, nous avons appris plein de choses et vu plein de choses. Mmh. Et notamment Anouk, qui est une magnifique dessinatrice. Merci. Et qui a épaté tout le monde par ses modèles. Alors, je remercie Anouk. Merci d'être venue. De rien, il n'y a pas de souci. Un grand plaisir aussi de t'avoir eu. Merci, Valkany, d'être venue. Merci pour ton grand sourire. Tu as passé un bon moment? Oui. C'était chouette? Oui. Très bien. Et toi, Ryan? Oui, c'est cool de faire les brassiers. Et l'émission, c'était cool aussi? Oui. Oui? Elle est sympa, Nathalie? Oui. Elle est top, hein? Ouais. Donc, un grand merci à toi, Nathalie, d'avoir pris le temps d'être avec nous. Merci à vous. De montrer aux enfants ce que tu sais faire. Merci. Bon après-midi sur Radio CHU.